Aujourd'hui, mercredi 17 juin, c'était la journée porte ouverte, hein, à l'occasion bien sûr du festival aux arts, etc. Au centre Eiffel, on va pouvoir découvrir le jardin des découvertes avec les tout-petits qui commencent à découvrir un petit peu l'art, alors dans toutes ses formes, surtout avec de la danse, de l'expression corporelle, mais aussi de la rythmique. En même temps des chants traditionnels. On touche aussi à d'autres instruments traditionnels comme le balafon, la sanza, le tamboa, plusieurs instruments. Je l'ai fait découvrir plusieurs choses. D'accord. Donc ça fait longtemps que tu es ici au Centre culturel de Carvin ? Oui, ça fait, je pense, depuis 2000. Depuis 2000, d'accord. Presque 10 ans, quoi. Oui. Tu vas faire partie des meubles bientôt. Non, on va. Donc, tel que ça se développe, donc on se développe tous. D'accord. Oui, là je suis en train de mettre les instruments en place. D'accord. Comme ça, les enfants, quand ils viennent, on fait notre rituel. D'accord. Donc là, tu as mis les djembés là. Là, les djembés sont en place. Donc, une fois qu'ils arrivent, on fait la bonne humeur. La bonne humeur, c'est pour bien démarrer la journée. Thank you.
qui font qu'on reste dans le rythme. Donc on démarre par... la plupart des rythmes, je les appelle par les chiffres. Par les chiffres, comme ça l'enfant a la possibilité de bien retenir les chiffres. On y va 1, 2, 3, mais un peu plus rapide. On va les dire d'abord à haut de tout. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'était un petit aperçu du Jardin des Découvertes à l'occasion du festival Aux Arts, etc. du 17 au 28 juin, organisé par la ville de Carvin.